Se décider. Enfin. Comme un plongeur, je me jette à l'eau. Quitter la surface mètre après mètre. Se laisser couler le long de la corde tendue dans le puits de ma mémoire. À travers une eau de plus en plus sombre. Nous y sommes. Paré à amorcer la remontée du temps, palier après palier, tous les sens en alerte pour que le passé se prenne à revivre, qu'il ressuscite. Le démon de la chasse sous-marine s'empare des marins de la Méditerranée, au point que les amiraux eux-mêmes s'en inquiètent. De curieux engins apparaissent, harpons, fusils. Pour améliorer leur performance, les chasseurs cherchent à mieux voir, respirer plus longtemps sous l'eau, lutter contre le froid. Ils découpent des masques dans de vieilles chambres à air, ils fabriquent des tubas, ils testent des ceintures de plomb, ils chaussent les palmes que vient d'inventer le lieutenant de vaisseau Louis de Corlieu. Les voilà transformés en hommes-poissons, ou presque. Été 1938, quelque part dans l'archipel des Ambiers. À ce moment-là, ça grouillait de poissons. Il y avait un jeune homme qui était sur les rochers, à une vingtaine de mètres de cette falaise où moi j'étais là en train de chasser. Et je sentis peser sur moi le poids d'un regard. Et j'ai levé la tête tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est Frédéric Dumas. Les deux hommes traquent le poisson ensemble. Un jour, Cousteau, rencontré à Toulon l'année précédente à bord du Condorcet, les rejoint. J'étais en train de terminer mon café quand j'ai vu